Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Merci pour votre présence, votre fidélité. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette journée, pour cette matinée que tu nous as encore donnée et tu nous as gardé tout au long de cette nuit. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont, Seigneur, devant leur poste, Seigneur, de radio. Et nous voulons te demander la grâce pour pouvoir parler de ta part. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, te prions. Amen. Voilà, donc nous sommes dans Romains chapitre 13. Et tu le tatou et tu le mopne et le matou. Nous lisons à partir du verset 12. Et Hamad Maitatou n'a dit le mot. La nuit est avancée et le jour approche. Et tes fatata maïda et tes mahan. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des œuvres de lumière. Et voici un tatou et de mon hippo noté poli. Et à Ahumayan Aïtatu et de mon Ahu, notre marmaram. Le jour, quel jour? Et à demain. C'est le jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Et demain, il y a des thèmes où Dieu est allé, mais il n'y a pas de femme, mais il n'y a pas de mot. Beaucoup de gens se posent la question à savoir si Dieu existait, pourquoi autant de problèmes sur terre? Et le verre de mot à ta était allé, et oui, il était là, et il y a tout. Pourquoi autant d'atrocités, de guerres, de troubles, de famines? Et noté à être mon fils, et mon oeil, à noter mon temps. Même des chrétiens se posent cette question-là. Que fait Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne met-il pas fin à la zizanie, au trouble? Les Écritures nous apprennent que Dieu a fixé un temps où il va juger le monde. De la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus, cette période-là est appelée le temps de nuit, des ténèbres. C'est-à-dire le péché domine. Les hommes sont frappés par des maladies diverses. Des églises se sont tournées beaucoup plus vers l'argent que vers Dieu. Des pasteurs prêchent pour avoir leur dîme plutôt que de prêcher la vérité. Il y a une multiplicité de d'églises et de religions sur terre. Famine, tremblement de terre, guerre, mort, tsunami, changement climatique. Changement climatique. La terre est beaucoup secouée. Donc les ténèbres dominent. Ésaïe 61 nous dit, lève-toi et sois illuminé, sois éclairé parce que ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent les nations. Et sur toi, la lumière de Yahweh se lève. Et nous sommes dans une période où les ténèbres dominent la terre. C'est les mêmes ténèbres que nous voyons dans Genèse chapitre 1er. Et Paul nous dit, il y a 2000 ans de cela, que la nuit est avancée. Donc si il y a 2000 ans, Paul a parlé ainsi, 2000 ans après, nous devons comprendre que nous sommes vraiment à la veille du retour de Dieu. Nous attendons tous le jour de Christ. L'apôtre Paul nous enseigne que le jour de Christ viendra. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il nous dit que Christ va revenir pour consoler son peuple, pour libérer son peuple. L'apôtre Paul nous dit ceci. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos pensées.
ni troublé par une inspiration, ni par une parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent. Donc le jour qui se lève, c'est le jour de Christ. Et c'est ce que beaucoup des chrétiens attendent aujourd'hui. Mes amis, mes frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la veille du jour de Christ. Les signes sont nombreux. Beaucoup de pasteurs ont vendu la vérité. Beaucoup de pasteurs divorcent et se remarient. Nous voyons la confusion dans les nations. Nous voyons le gouvernement mondial qui se met en place. Nous voyons des lois antichrist qui sont votées. Donc nous sommes vraiment à la veille du retour de Jésus. C'est pour cela que Paul nous enseigne que nous devons rejeter les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont le péché, la haine, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, la cupidité, le péché sexuel, l'inceste, l'adultère, le divorce, le remariage, toutes ces choses-là sont les œuvres des ténèbres. Le racisme, toutes ces pratiques doivent être rejetées. Paul nous dit, nous avons rejeté les choses honteuses qui se font dans les ténèbres. Nous devons aller vers la lumière. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous préparer pour notre délivrance qui arrive. Nous serons ressuscités pour les chrétiens qui sont morts, seront ressuscités. Et ceux qui sont vivants seront avec les chrétiens morts, ressuscités et enlevés vers le ciel. À la rencontre du Seigneur. Mes amis, le Seigneur est en train de nous appeler tous à la repentance pour pouvoir aller vers le ciel. Et c'est ça l'évangile que nous devons prêcher. Repentons-nous, repentons-nous, car Jésus revient. Il a dit qu'il allait revenir nous chercher. Je sais que beaucoup souffrent, beaucoup pleurent parce qu'ils ont perdu leurs amis, leurs parents, leurs enfants. Mais il y a une solution. Il y a une espérance. L'espérance, c'est Jésus. Il va nous guérir. Nous allons vivre avec lui pendant l'éternité. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Et c'est ça le message qui doit être annoncé aux habitants de la terre. Le juge des juges est en train de revenir. Le roi des rois est en train de revenir. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés par cette courte exhortation. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et nous prions que le Seigneur guérisse vos maux, qu'il vous délivre de vos maladies, qu'il guérisse vos enfants, qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux, et que tous ceux qui souffrent soient restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés en Polynésie. Nous sommes à Tahiti depuis quelques jours pour dire au peuple polynésien que Jésus vous aime, que Jésus revient, pour dire aux pasteurs qui aiment la vérité, il est temps de quitter le système religieux et de servir Dieu et non vos systèmes. Pour dire aux pasteurs qui ont peur de dire la vérité, le Seigneur vous demandera des comptes. Il faut dire la vérité à son peuple et Dieu prendra soin de vous. Prêchez la parole et Dieu s'occupera de vous comme il a enseigné. Dieu aime
la Polynésie. Nous bénissons les autorités. Nous bénissons les ministres. Nous bénissons les policiers. Nous bénissons les gendarmes. Nous prions pour les maires comme la parole nous le recommande. Et que Dieu bénisse cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.